c'est l'heure de votre journée. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition dans l'actualité de ce vendredi 18 août, la nomination de l'ancien président allemand Horst Köhler comme nouvel émissaire de l'ONU pour le Sahara, après le départ en avril dernier de son prédécesseur l'américain Christopher Ross. Un spécialiste nous expliquera dans ce journal les tenants et les aboutissants de cette nomination. L'actualité de ce vendredi est marquée aussi par cette attaque terroriste à Barcelone revendiquée par Daesh. Une camionnette a foncé dans la foule hier, tuant au moins 14 personnes selon un dernier bilan et faisant une centaine de blessés. L'un des assaillants aurait été tué lors d'une fusillade avec la police et un autre aurait été arrêté. On fera le point sur les derniers développements dans quelques instants.